Et qui donne cette dame en mariage? The king of rock and roll, Elvis Presley. All right. Eh bien, c'est bien, bonjour pour vous, hein? Ouais. 8 jours plus tard, hein? C'est ça. Eh oui, et ils ont dit que ça n'allait pas durer. Mais cette fois-ci, c'est Las Vegas, hein? C'est ça. Avec Elvis. Ah ouais. Alors, c'est une autre saveur. Hein? C'est une autre saveur. Ouais. Alors Théo, Julie, pour que votre mariage soit bien réussi le reste de votre vie, je vais vous partager un principe, il ne vous faut jamais oublier, jamais. Il y en a beaucoup qui l'oublient, je vous le dis, hein. Je les vois venir ici tous les jours, moi. Et deux fois, trois fois, quatre fois, je dis pas avec la même personne, non, non, non. Ça, ce principe est tellement important que tous les autres principes qui ont à voir avec le mariage reposent sur celui-là. Alors, si celui-là se casse la figure, tout se casse la figure. Ah ouais, ça a à voir avec la nature de l'amour véritable, souligné véritable. Toujours plus concerné qu'il est avec le bien-être, le bonheur, les sentiments, les émotions, la plénitude de l'autre et de la famille que le sien. L'amour véritable, il n'est pas égoïste. Mais ça va quand même un peu à l'encontre de notre nature. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça que le mariage, c'est difficile. Parce que comme on dit ici, hein, quand les pneus ils touchent la route, hein, au fin fond de nous-mêmes, c'est tout à propos de nous en premier. Oui, ah, ouais. Alors, afin que vous vous aimiez de plus en plus au fil des années, ce qui est l'idée, hein, n'oubliez jamais, le Créateur, il est très sage, il a dessiné le mariage en école d'altruisme. Oh oui. Des fois, c'est même les classes dans l'altruisme. Et rappelez-vous de ça parce qu'il continue avec son programme de toute façon, lui. Oh, ouais. Alors, le plus de temps vous passez, le plus de temps vous passez à rendre l'autre et la famille heureuse, bah, le moins de temps vous aurez d'être misérable. Hein? C'est simple à dire, mais c'est un peu plus compliqué à vivre quand même. Et c'est comme ça que ça marche. Bon, un autre principe pour le bénéfice de madame. D'après la Bible, et la Bible c'est notre mode d'emploi pour la vie, hein, c'est le secret le mieux caché, tous les franchouillards, on a un mode d'emploi. Le plus vous aimez Julie, le plus elle s'épanouit. Elle a donc besoin, en comparaison de vous, d'une surdose d'amour. Ah ouais, il faut jamais lui donner l'opportunité de même en douter. Beaucoup de raisons dans la Bible aussi. Le plus vous allez aimer votre femme, le plus elle va s'épanouir. Hein? Et puisqu'on ne peut pas avoir l'amour à moins qu'il ne soit démontré ou exprimé, façon la plus facile de faire ça, Théo, vous dites à Julie tous les jours, hein, et puis pas qu'une fois, combien vous l'aimez, comment elle compte pour vous, et puis dans l'année on lui fait des cadeaux, à droite à gauche, des fleurs, des bijoux, dîner romantique aux chandelles surprises, même quand c'est pas son anniversaire, renouvellement de vue à Las Vegas avec Elvis. Gros bon point important, ouais. Énormément de principes à suivre, il faut que le mariage soit réussi. Je vous encourage donc d'étudier votre mode d'emploi pour vous-même. Hein, la Bible, vous ne serez jamais déçu pour ça. Une autre chanson, Elvis? Oui. Les amoureux? Oui. Bon. Face à face, main dans les mains. Mm-hmm. Alors Théo, peut-être pour moi, Julie, je renouvelle les promesses que j'ai faites il y a 8 jours. Julie, je renouvelle mes promesses que j'ai faites il y a 8 jours. D'être ton mari fidèle. D'être ton mari fidèle. Et de t'aimer et de te chérir. De t'aimer et de te chérir. De te respecter et de t'honorer. De te respecter et de t'honorer. Et de t'honorer. T'honorer. Dans la richesse et la pauvreté. Dans la richesse et la pauvreté. La maladie et la santé. La maladie et la santé. Pour le meilleur et pour le pire.
pour le meilleur et pour le pire. Jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Et Julie répéta après moi, Théo, je renouvelle les promesses faites il y a 8 jours. Théo, je renouvelle les promesses faites il y a 8 jours. D'être ta femme fidèle. D'être ta femme fidèle. De t'aimer et de te chérir. De t'aimer et de te chérir. De te respecter et de t'honorer. De te respecter et de t'honorer. Dans la richesse et la pauvreté. Dans la richesse et la pauvreté. La maladie et la santé. La maladie et la santé. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Eh bien, Théo, Julie, après avoir tous les pas, vous venez d'échanger dans la présence de votre témoin André, puis bien sûr le Père Elvis, et celle du Créateur, et tous ceux qui regardent là-bas à la télé, bonjour, bonjour à tout le monde. Je vous prononce une fois de plus, mari et femme, embrassez votre femme, monsieur, on applaudit les amoureux.